Le livre qui a le plus compté pour moi, c'est Le monde d'hier de Stefan Zweig. C'est un livre que je n'ai pas lu dans ma jeunesse, que j'ai lu un peu plus tard, mais qui a rejoint mes préoccupations. J'ai toujours le sentiment que le monde passe par une période inquiétante, peut-être par une période de régression. Et il me semble que Zweig, quand il a écrit ce livre à la veille de sa mort, avait la même impression. Il avait l'impression que le monde était en train de basculer. Il avait même l'impression qu'il n'avait plus sa place dans le monde. Il est allé très loin puisqu'il s'est suicidé. Moi, je n'aurais sûrement pas cette solution, mais je comprends sa préoccupation. Je comprends qu'il ait de la nostalgie pour le monde d'hier. Pour lui, c'était le monde austro-hongrois, l'Empire austro-hongrois. Le monde, en réalité, c'est le monde d'avant la Première Guerre mondiale. Quelque chose s'est cassé au moment de la Première Guerre mondiale, une cassure qui s'est encore amplifiée au moment de la Seconde Guerre mondiale, et cette cassure a probablement fait basculer le monde dans la barbarie. Ce livre, pour moi, est probablement le livre qui me guide le plus depuis un certain nombre d'années. Et j'ajouterai que c'est peut-être le livre qui va guider certains de mes prochains écrits, parce que je le relis souvent.